cette chocolaterie, c'est une sacrée belle histoire de famille. Quatrième génération, première génération de père en fils, toujours côté féminin. Et puis mon père, en épousant ma maman, il a aussi épousé le métier de chocolatier. Le plus grand succès de la maison, ça reste la Guinette, une cerise fraîche au kirsch qui a macéré pendant plus de 5 mois dans le kirsch. Et elle va être trempée dans un sirop de fondant. Et après, elle va être enrobée de chocolat noir. Et au bout de quelques jours, en fait, il va y avoir une transformation acide, c'est-à-dire que le fruit va dissoudre le sucre. Et on n'aura plus qu'en fait le chocolat, une liqueur et la cerise fraîche avec son noyau. Voilà. Là, on va partir sur une ganache chocolat noir. Donc, on va amener la crème à ébullition avec du beurre. On va verser cette crème en 3 fois sur notre chocolat afin d'obtenir une pâte qui va devenir très brillante et qu'on va après couler dans des cadres pour donner la forme. Et puis, on va la laisser reposer tranquillement. Elle va cristalliser. Et après cette cristallisation, on va faire le découpage afin d'avoir la forme du bonbon qu'on désire obtenir. Donner du plaisir aux gens, c'est vraiment ce qui vous anime quotidiennement? Ah, complètement. Enfin, c'est d'abord se faire plaisir. Ça, c'est notre première, on va dire, le premier enseignement qu'on doit tirer de notre métier. Et le deuxième, c'est faire plaisir à nos clients et qu'ils aient surtout envie de revenir se faire plaisir.